Eh bien, bonjour à tous, c'est Overone97 en compagnie de Capitaine Flamme. Salut à tous. Et donc, on se retrouve pour un 1-1 sur le serveur du Ghoul Terminator. Sur la map accueil, sur la map où on peut accéder aux différentes salles, donc vous pouvez voir par terre les lettres de A jusqu'à L. Et c'est un Yop niveau 200 qui se nomme Olette et compte du serveur, je n'ai pas vu, du serveur Pushko. Et contre une sacrieuse niveau 200 Tartarique du serveur Automustam. Donc il n'y a plus qu'à attendre qu'il lance le combat. Voilà, le Yop avait l'air d'être prêt, donc c'est pour ça qu'on a lancé la vidéo, mais on n'est pas très sûr. Donc, ce qu'on va Ah. faire. Ah, ben ça a bientôt démarré, s'il veut bien. Et Voilà. voilà, le combat se lance. Voilà, donc on va essayer de vous commenter ça dans les conditions du coup Terminator. Donc ça commence très fort, deux coups d'épée toche sur la sacrée de la part de Olette. Donc. Je sais pas comment le sacré va gérer ça, parce que vu l'hérésie qui est là, c'est bizarre, on dirait qu'elle a des hérésies De bas. de Panoglours en fait, mais non, en fait c'est les Sadrago lui donne 5% partout déjà. Et, il n'y a pas de bouclier, donc je sais pas ce qu'elle a comme panneau, mais elle a des résilles tous de la même. La sacrieuse qui s'est bêtement fait ses châtis et fait une épée volante pour reprendre un peu de vie avec ses folies sanguinaires, tandis que le Yop, il y a rien. Fait un bond, il fait une mutilation et un gros coup d'épée toche à moins 700. À mon avis, il n'y a aucune chance pour que le sacrieur gagne. Ça va être vite fait, bien fait, à mon avis. Ouais, à moins que le sacré arrive à être bien pressé pour sa punition et qu'il arrive à bien entamer le Yop maintenant. Voilà, donc deux coups de baguette qui taxent pas tant que ça. Et une transpo pour partir le plus loin possible. Donc le Yop va être obligé de jouer avec un bond, donc il perd un coup de corps à corps à chaque fois s'il doit faire bond pour atteindre sa cible. À moins qu'il ait beaucoup de PO et qu'il joue justement avec ses épées de Yop plutôt avec ses sorts. Donc c'est ce qu'il va faire, voilà, avec une épée de Yop. Alors, on va essayer de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 PO. C'est pas mal, hein. Bon, ça tape pas si fort que ça. Il a tapé deux fois 180 plus ou moins. Donc, c'est pas énorme comme dommage, mais vu la PO qu'il a fait, c'est vraiment pas mal. Est-ce que c'est normal qu'il tape plus fort avec concentration qu'avec épée d'hop? Oui, parce que concentration, c'est un sort à 2 PA que tu mets que à 1 PO, donc c'est logique qu'il tape plus fort. Et en plus, il a tapé sur l'épée volante qui a pas les résidus du sacré. Parce que le sacré a 28% en terre et l'épée volante, je crois qu'elle a que 5%, donc ça va aider beaucoup. Et le Yop qui invoque son Dofus, 1050 de vie. Il se fait booster par son Yop, par son Dofus. Il est bien boosté, à mon avis, le Yop, bah, il va essayer de jouer distance en nickant le maximum d'invoques, parce qu'en fait le sacré, ce qu'il va faire, il reste à distance et il va reprendre tranquillement sa vie avec les folies sanguinaires. C'est pas lui qui va bourrer dans le tas, il va attendre que le Yop vienne tout seul. Et quand il faudra, ben, il bougera et il ira encore une fois le bout de la map avec ses sorts comme il peut. Donc voilà. Voilà, à mon avis, c'était une erreur de faire un doppel. Non, ben, déjà le doppel s'est fait tuer, donc le Yop a gagné entre guillemets un tour. Parce que le sacré du coup était là pour tuer le doppel. Je sais pas. Tant qu'on voit que le sacré est en train d'être boosté, il tape déjà beaucoup plus fort qu'avant. Et le Yop qui se booste comme un barbare. Il s'est fait une vitalité quand même à 834. En fait, je suis en train de me demander, c'est un sacré oh. Non, à mon avis, c'est un sacré multi. Enfin, oui, en fait, puisque la baguette, c'est 2 jets eau et 1 jet feu. Donc, je sais pas. Mais en fait, s'il a des résis eau, c'est pour ça qu'il a rien subi. Ouais, mais il a 26%. Mais en plus, comme la baguette, comme je t'ai dit, 3 jets, avec les résis, ben, ça réduit en plus de 3 feux. 3 jets, ça réduit. C'est peut-être pour ça que son meilleur, il a parti. Mais il a des belles résis, hein. 12 PA, 5 PA. Pas mal. Ouais. Alors, la sacrée qui bourre dans le tas et qui fait deux gros coups de baguette.
Et en ayant fait des robots, par contre, comme ici, il a joué rapidement, je ne sais pas si il est là. Je suis en train de reprendre espoir pour le Yop, moi, parce que là, on voit que là, le Sacri... La Sacri, là, elle va taper encore, à mon avis, un tour avec sa baguettique, et puis après, elle va essayer de placer sa punie. Donc le Yop a intérêt à partir, à moins qu'elle la fasse déjà, mais je sais pas où elle... Non, elle va pas la faire. Non, elle a encore 500 PV à perdre, à moins qu'il fasse attirante. Et qu'elle retire sa vie avec transfert de vie, mais je pense pas qu'il va plutôt gérer, voilà, avec personne, il va prendre sa vie tranquillement et il va attendre le bon moment. C'est un bon joueur de Sacrieux, il connaît bien sa classe. Ça a combien de vie cette chose? Ah, quand même. Sans coup critique, hein. Quand tu fais un coup critique, elle a presque 1000. Ouais, mais niveau 6. Niveau 6 aussi, hein. Encore une fois une vitalité. Vitalité qui a été changée avec la mise à jour, ça dure que 6 tours maintenant. Avant ça en durait 21. Ouais mais par contre il peut la faire tous les 3 tours donc il se retrouve avec 2 vitalités. Il se retrouve à 5100 points de vie. Ça c'est énorme en fait. Encore une fois c'est un très bon sort mais par contre s'il se fait des buffs il perd quand même énormément de vie mais comme le facteur n'a pas de sort de debuff, ben, justement il va gérer. Et là, ah, il vient de rater la punie du Sacri à mon avis. Non, je crois qu'il se passe bien. La Sacri va reprendre sa vie comme elle peut. Et elle va lui placer une grosse punie. Elle va faire très mal au gars. Voilà, la punie. Moins 800. Ainsi que la Libé. Donc elle se retrouve à peu près au même niveau. Même si à mon avis la Sacrieuse est mal partie. Parce que le Yop, elle a pas vraiment tapé beaucoup avec sa punie. Le Yop va continuer à venir taper avec son épée toche. Ouh, le coup critique. Ça fait toujours du bien. Le coup critique. Double coup critique. Ça va se jouer juste à mon avis. Et là, c'est écrit qu'il n'a plus que 892 points de vie. Et le Yop, 1360. C'est soit elle arrive à s'échapper et elle fait beaucoup de dégâts. Ah. Si elle tue pas maintenant... Je pense qu'elle va faire, elle va essayer de faire une transpo avec son arachne. Ouais, elle pourra partir vraiment le maximum, le plus loin possible. Parce que si elle arrive encore à tenir un tour et que le Yop est à portée, ben elle devrait pouvoir le tuer. Donc c'est juste. Hein. Pas compris. Non, non, ben, mon avis, c'est quick. C'est quick. Oh hein. Le Yop qui abandonne. Ah non, c'est sa vitalité qui s'est parti après toi. Oh là là là. Donc, ce que je vous parlais juste avant le combat de vitalité, ben, ça s'est retourné contre lui. Donc victoire de la Sacrieuse de Automustan, Tartaric, en 6 minutes 49 et en 11 tours. Donc c'était un assez beau combat. Je suis assez content de l'avoir commenté avec vous, Jean-Pierre. Jean-Pierre, alors toi je vais t'appeler Olivier, je sais pas pourquoi. Alors, donc merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Overrun 97 en compagnie de Capitaine Flamme. Je vous invite, pardon, à vous abonner à la chaîne de Overrun si ce n'est pas déjà fait. Et mettez un pouce bleu à la vidéo parce que des vidéos sur le Ghoul Terminator, ben, c'est assez exclusif. Il n'y a personne encore que j'ai vu qui avait déjà fait des combats sur le Ghoulta. Donc j'espère que cette vidéo, vous allez l'apprécier. Logiquement, elle sera disponible sur la chaîne d'Overrun et peut-être aussi sur la mienne, on va voir. Et on se dit à très bientôt pour le Ghoul Terminator. Et merci à toi, Overrun, de m'avoir invité pour commenter cette vidéo. Bye bye tout le monde!